Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de déblocage de compte Google équivalent au fameux Unlock Tool payant. Mais l'avantage avec cette dernière, c'est qu'elle est totalement gratuite. Donc, vous pouvez l'utiliser sans rien débourser et débloquer par la suite vos téléphones. Donc, il suffit de télécharger et installer cet outil pour pouvoir procéder au déblocage. Alors, pour commencer, vous allez sur Internet. Vous devez avoir un accès à Internet pour télécharger l'application. Donc, vous avez plusieurs sites qui offrent le téléchargement. Donc, il suffit de choisir un téléchargement complet. Vous installez l'application sur votre PC. Puis, vous devez l'extraire ou bien le dézipper pour avoir utilisé cette application. Donc, comme vous voyez, je suis en train d'installer l'application sur mon ordi. Donc, j'utilise la version 3.1.1.2. Donc, la dernière mise à jour. Et là, dès que vous ouvrez l'application, vous aurez plusieurs options. Donc, vous aurez la possibilité de débloquer des Samsung, des Huawei, des Xiaomi et bien d'autres marques. Alors pour les Samsung, vous avez un tas de choix. Vous avez aussi le déblocage Samsung à travers le CPU MediaTek. Donc vous allez sur MediaTek, puis vous descendez sur le choix numéro 3. Donc, ce choix qui correspond à la dernière mise à jour du téléphone Samsung Android 11, 12 et même 13. Vous branchez vos téléphones. Puis, votre appli va vous demander de formuler ces chiffres-là, étoile, dièse, 0, étoile, dièse. Donc, vous faites cette formule, étoile dièse, 0 étoile dièse. Vous faites OK. Et le tout se joue sur votre application. Si vous n'arrivez pas à la première fois, donc, il suffit de répéter la manip à plusieurs reprises. Donc, j'ai redémarré l'appli, j'ai débranché et rebranché par la suite mon téléphone, puis j'ai cliqué sur choix numéro 3. Donc là, il suffit d'attendre le déblocage et le redémarrage de votre téléphone. Donc, comme je viens de dire, cette appli, avec cette mise à jour, fonctionne très bien sur Android 11, 12 et même 13. À part l'Android 14, donc, qu'on doit attendre une nouvelle mise à jour pour pouvoir le faire. Alors, quand vous voyez mon téléphone me demande de valider le débogage USB, donc vous faites oui. Et votre téléphone redémarre sans compte Google. Donc vous voyez, vous avez l'accès à votre téléphone sans perdre les données. Et c'est l'avantage avec cette application, c'est que comme je viens de dire que vous ne perdez pas les données, vous gardez vos données et vous débloquez en même temps votre téléphone. Donc cliquez sur OK. Et là, votre téléphone commence à clignoter à plusieurs reprises. Donc, il suffit d'appuyer sur les trois boutons au même temps et débrancher votre téléphone. Donc, je débranche mon téléphone, j'appuie sur les trois boutons en même temps pour pouvoir redémarrer mon appareil. Comme vous allez voir, le téléphone commence à clignoter. Voilà. Donc, il suffit d'appuyer sur les trois boutons en même temps pour pouvoir forcer l'appareil à redémarrer.
Une fois l'appareil ou bien une fois l'appareil démarre, il suffit de suivre les instructions sur l'écran pour pouvoir finir l'installation ou bien la configuration de votre téléphone. Alors, comme vous voyez, l'opération est vraiment simple et fiable, sans perdre les données. Donc, il suffit de télécharger et installer cette appli qui est vraiment fiable et ne vous coûte rien. Donc, vous avez rien à débourser pour pouvoir débloquer vos téléphones. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vous dis merci bien pour votre visite et à la prochaine vidéo.